Alizée n'a que 16 ans lorsque sa chanson « Moi Lolita » sort sur les ondes et rend hystérique les pré-ados des années 2000. Ce succès fulgurant, c'est l'histoire d'une gamine d'Ajaccio qui n'a qu'un rêve en tête depuis toute petite, celui de devenir une star de la chanson. Dès l'âge de 7 ans, en effet, la petite Alizée se passionne pour les comédies musicales. Pour parfaire ses talents, elle est sur tous les fronts, chant, théâtre, danse. Avec l'aval de ses parents, elle court les castings et les auditions. Une ténacité qui ne va pas tarder à se révéler payante. En 2000, Alizée est sélectionnée pour participer à l'émission de télécrochet Graines de Star, un programme dans lequel l'animateur Laurent Boyer déniche les talents de demain. Graines de chanteuse, vous l'avez vu, donc elle nous vient de l'île de la beauté. Elle a choisi Ma prière d'Axel Red et elle s'appelle Alizée. Moi qui aurais tant voulu, à mon qui a voulu, je cherche mais je ne trouve pas un pays qui me parle. J'ai traversé la terre entière, écoute ma prière. Ce soir-là, les téléspectateurs découvrent Alizée. Mais la jeune fille ne va pas se contenter de ce passage télé. Elle veut plus que ça. Elle a entendu parler en effet d'un autre casting. La chanteuse Mylène Farmer, son idole, et son producteur Laurent Boutonnat sont à la recherche d'une jeune artiste pour en faire une star. Ni une ni deux, la chanteuse va leur adresser la cassette de son passage à la télé. Et ça marche. Le duo est intéressé et convoque la jeune fille. Quand il découvre Alizée qu'il la rencontre, en plus, elle est super mignonne, elle est danseuse, Alizée, elle connaît toutes les chorégraphies de Madonna, de Michael Jackson. Donc, je veux dire, c'est de l'or en barre, quoi. De l'or en barre. La jeune fille colle en effet parfaitement au projet qu'ils ont en tête. Jeune, jolie et talentueuse, elle est aussi très consciente de son sex appeal, des éléments dont Mylène Farmer a su, en son temps, tirer profit. Il y a même Mylène Farmer qui glisse un petit clin d'œil avec des bas mi-coton Mylène. Il y a une projection de Mylène Farmer dans sa propre jeunesse à elle, parce qu'elle a été très Lolita, elle était comédienne. Donc elle se voit dans Alizée. Elle dit Alizée, elle a ce potentiel incroyable, aussi jeune, de dégager comme ça quelque chose de très érotique, quoi. Et puis deuxièmement, avec Laurent Boutonnat, c'est de faire un gros coup. La méthode est simple mais redoutable. Et pour enfoncer le clou, Farmer et Boutonnat s'inspirent d'un texte sulfureux, le roman Lolita de Vladimir Nabokov, qui raconte la passion tumultueuse entre un homme mûr et une jeune fille de 13 ans. C'est quand même un des plans les plus cousus de fil blanc de l'histoire du showbiz français. Le secret, c'est que c'est fait pour marcher et ça marche. Et comme prévu, le succès est immédiat. En à peine deux apparitions télévisées, la chanson se retrouve dans le top 50. Elle y restera pendant un an. Ça fonctionne magnifiquement parce que, effectivement, les marionnettistes et surtout la marionnette, Alizée, a un talent gigantesque. C'est pas juste une créature. Elle a une espèce de maîtrise absolue de tout. De son discours hors de scène, de son image en scène, ça n'aurait jamais marché sans Alizée. Lolita, Alizée a montré qu'elle avait l'étoffe d'une grande. Sa chanson est même devenue culte. 7 ans plus tard, c'est justement ce titre qu'un jeune talent décidera de reprendre, là encore, dans un télécrochet.